Viewfinder. Si j'étais un boomer, je dirais que ce jeu fait le buzz. C'est un jeu très joli. Voilà, on est dans un bail vraisemblablement abandonné. Ah, j'en connais un qui a mangé indien là. Hein. J'ai juste pas envie de voir l'état des chiottes. Hein. Tout le concept de ce jeu tourne autour de ces photos. En gros, vous trouvez des photos comme ça. Voilà, là je peux la ramasser. Et maintenant, ces photos, je peux m'en servir pour faire plus ou moins des dingueries. Genre là, je peux viser. Là, vous vous dites, ok, c'est cool, là, c'est une photo de Wally. Mais non, en fait, en réalité, c'est une photo que je peux poser n'importe où dans le monde. Regardez, juste l'effet est incroyable. Oh, oh là là, j'ai eu des frissons. Hein. Oui, je surjoue un peu, je suis comme ça, oui. C'est une énorme dinguerie. En fait, en gros, vous pouvez vous servir des photos pour résoudre des puzzles. Et donc ça, ce truc-là, c'est un téléporteur. C'est ça qui permet de passer d'un niveau à l'autre. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que cette Game Boy, là? Je parle vraiment comme un grand-père, hein, c'est pas possible. Là, une batterie, ça va probablement me servir à quelque chose, peut-être pour un appareil photo. Ah, regardez, une petite photo. Je sais pas trop à quoi, c'est quoi? C'est un escalier, d'accord. Donc si j'ai besoin d'un escalier... Ah, le téléporteur doit être alimenté, d'accord, ok. Du coup, ça doit pas être très très compliqué. Je tape la batterie sur le téléporteur pour l'alimenter. Ok. Oh, si, ok. Comme quoi, être débile, ça aide. Cette espèce de truc qui ressemble à un œil me fait réellement flipper. Hein. Ah, il y a peut-être des trucs sur le plafond. Attendez. On peut essayer. Ouais, mais là, l'escalier, c'est vraiment un petit escalier tout pourri. Hein. Regardez, là, il y a des antennes. Est-ce qu'on peut pas se... Bon, c'est quoi? Fuck it, je teste. Ah, bah oui, ça marche, regardez. Bon, ça a un peu déglingué l'appartement, je vous l'accorde. Oh, il y a une autre batterie. Attendez, c'est là où j'avais posé la batterie. C'est-à-dire que si je reviens en arrière, je peux mettre une deuxième batterie. Alors, j'ai aussi une option qui me permet de rembobiner. Regardez, je peux revenir un petit peu en arrière. Non, d'accord, ça n'a pas laissé la batterie qui se trouvait ici. J'ai un petit peu le seum, voilà, je dois l'avouer. C'est qu'on va mettre ça ici pour éviter que... Oh, c'est vraiment trop bien fait, hein. Vraiment, l'effet, il est réussi, hein. Je dois l'avouer. Ah bah, il y a une autre batterie ici, ok, c'est facile. Ouais, allez, moi, je veux faire des photos, là. Je veux devenir un vrai Instagrammeur. Non, parce que j'ai vu dans les vidéos du jeu qu'il y avait la possibilité de prendre des photos. Alors là, j'ai une photo qui est visiblement celle d'un téléporteur, mais il est inversé. Alors, est-ce que je peux... Ah, je peux faire pivoter la photo. Oh, mais ça débloque tellement de possibilités, le fait de pouvoir faire le... Wouh. Ah, regardez, il y a une autre photo dans la photo. Photoception avec une batterie, les gars. Eh oui, donc là, on va aligner ça correctement. Vraiment, l'effet est incroyable. Allez, hop, adios, les tables de jardin. Table en plastique, là, les monoblocs. Oui, ce type de chaise a un nom, ça s'appelle les monoblocs. La culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Ah, c'est loqué. Pourquoi c'est loqué? Ah non, ça se débloque. Ok. Mais on est dans quel pays, là, pour avoir des maisons de riches comme ça dans les montagnes? Oh, yes, bah j'ai rien eu à faire là. Pense à arroser tes plantes. Sans déconner, la plante qui est chez moi est morte la semaine dernière. T'aurais pas pu mettre le post-it plus tôt? Tu sais que t'as touché le fond quand c'est un jeu vidéo qui te fait penser à rappeler tes plantes. Oh, un pont. Dis donc, je me demande bien où est-ce qu'on va pouvoir... Oh là là, c'est parfait. Tellement stylé. Mais purée, à chaque fois, vraiment, je pense que pendant tout ce jeu, je vais être impressionné par ce système. Une autre photo. Cette fois-ci, c'est une porte. Logique, je vais pouvoir la poser ici et probablement passer à la suite. Mais c'est tellement classe. Bon là, ils sont vraiment en train de me montrer les mécanismes de base du jeu. Hein. C'est presque insultant un petit peu. Ok, qu'est-ce que je suis censé faire là? Maybe there's a surface you can use to climb up there. Ok, merci le chat. Ah, mais attendez. Ah, mais oui, regardez. C'est pour ça, parfait. On passe au niveau suivant. Bon, je comprends l'engouement autour du jeu, les gars. À quoi elle peut bien servir, cette photo? S'il y a ça, c'est que ça a forcément un intérêt. Hein. Il y a aussi les aurores boréales, un soleil. Ils veulent qu'on arrête le réchauffement climatique, en fait. Ça, je reconnais, on va modifier la météo. Un trésor en devenir. Je sais pas pourquoi ce genre de post-it, je sens qu'ils vont nous la mettre à l'envers à la fin. C'est le genre de truc où à la fin, tu te rends compte en fait que tous les post-it voulaient dire un truc de fou, etc. Du style, récure tes toilettes. Ouais, je sais pas, hein, peut-être qu'ils donnent des conseils de vie, ce jeu. Bon, j'ai remarqué que ici, on a une batterie. Mais comment est-ce que je suis censé arriver de l'autre côté? Ça, c'est une très bonne question. Bon, si je mets un soleil, une aurore boréale et des nuages. Ça n'a littéralement servi à rien. Hein. Donc là, les gars, le jeu, vous me faites décorer la zone. Je reviens en arrière au cas où pour pas perdre mes photos. Mais il doit y avoir potentiellement autre chose que j'ai raté. Oh, qu'est-ce que... Non, j'ai fait un trou, la batterie est morte. Bon, j'ai gagné un achievement, faites tomber une batterie du niveau, mais c'est pas ce que je voulais faire. Ah mais oui, mais attendez, je peux faire un trou dans le mur. Bon, j'ai déglingué la batterie, mais est-ce qu'elle marche? Ok, j'ai été médisant sur le soleil, c'est relativement pratique quand même. Bon, il en manque une. Franchement, j'ai un avenir, hein. Je peux ouvrir un business de destruction d'immeubles. Pas besoin de tractopelle ou de dinguerie comme ça, là. Mais pof. Moi aussi, je me tape des barres, hein. Franchement, tous les jours, dès que j'ouvre un téléporteur... Bon, ces trucs-là, il y en a vraiment partout, c'est quoi? C'est flippant, c'est vraiment le genre de petits détails qui sont parséminés à droite, à gauche dans le jeu. C'est évident qu'il y a une histoire derrière. Je connais les mécaniques, les gars. Ramassez la photo. Ah bah tiens, regardez, il y a une autre photo sur une photo, c'est original. Encore une autre photo. Non, les gars, vous allez pas me faire ça. Ah, c'est une photo récursive. Oh là, échec de la stabilisation paradoxe. Oh, j'adore ce jeu, c'est trop stylé. Oh, mais du coup, je vais... Oh, c'est trop bizarre. Je suis dans une...
Un truc en pixel. What the fuck? Oh là 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 là! C'est pour ça qu'on entendait la meuf. J'étais en train de me dire, mais il a des AirPods ou quoi pour avoir une liaison satellite? Je dois me laver les mains. J'ai un peu cassé. Pas des petites photos à Grail là, genre les photos. Oh, un Polaroid. En tout cas, le monde a l'air moins sympa dans cette réalité alternative. Hein. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, voilà, je vous laisse celui-là. Système en ligne, 3 sur 5, erreur détectée. Bon, on va appuyer sur tous les boutons, les gars. Hein. Ta 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 la ta, je déglingue les systèmes du Lordi. Ah, ok, fallait tout éteindre et tout redémarrer. On est dans South Park ou comment ça se passe en fait? Le téléporteur est verrouillé. Donc là, on a plusieurs téléporteurs dans une seule salle. Je pense que ça va être un petit peu genre la maison de base, le hub, le lobby, le multiverse. Ouais, regardez, je peux me téléporter là. Et je pense que je vais revenir, voilà, à ce fameux niveau un petit peu chelou où les choses se démultiplient. Du coup, ma théorie, c'est que il faut pas que je fasse le fou à chaque fois prendre la truc plein de fois. Marc, Myrène préfère donc 3 froids pour son espace de 3 et trouver une meilleure couleur. Ah non, je sens qu'il y a une histoire en background. Ah, mais le téléporteur est là-bas, regardez. Du coup, visiblement, c'est un petit peu galère. Ok, on va faire un pont, toi-même tu sais. Et je récupère la photo. On sait jamais, ça peut être utile pour la suite. Est-ce que quand je me téléporte, je garde les photos? Non, je garde pas la photo, le seum. Là, ça a l'air d'être un dessin un petit peu étrange par rapport à ce dont on a l'habitude. Et c'est pas une photo en fait, c'est parce que c'est un dessin. Il y avait plus de budget pour les Polaroids. Hein. Ça coûte 2 balles la photo hein, sur les Polaroids. Hein. Je connais. Beaucoup trop cher. Ah oui, c'est carrément un niveau entier le bail. Ah oui, d'accord, et là on a un truc avec des couleurs. En vrai, c'est beau, hein. Franchement, le jeu est quand même beau. Hein. Donc là, on est passé d'un crayonné à un espèce de petit jardin avec une méthode de peinture dont j'ai oublié le nom. Vous pouvez m'insulter, hein. Je suis absolument pas cultivé. C'est trop classe. Oh, ça fait des petits bruits en plus quand je marche. Et à chaque niveau, il y a un espèce de gramophone. On dirait qu'il est là pour nous donner des informations. Oh, j'ai trouvé. Oh là là. Ah oui, d'accord. Vraiment, là, les frérots, plus ça avance, moins il y a d'efforts. Hein. Oh, c'est excellent. Mais c'est excellent ce qu'ils ont fait. Non, c'est Minecraft, les gars. Non, non, non. Alors là. Bon, c'est pas exactement Minecraft en fait. D'ailleurs, ça n'a absolument rien à voir avec Minecraft. Juste, j'ai vu des torches. Je suis un énorme inculte du jeu vidéo en plus. Hein. Oh, mais je sais pas comment ils ont fait pour faire ce jeu, mais ils ont dû galérer. Hein. Visiblement, il y a un pont-levis qu'on va devoir essayer de passer. Est-ce qu'il y aurait pas, par hasard, une petite photo cachée à l'intérieur avec un gramophone par là? Regardez. Mais il y a pas de photo ici par contre. Ah bah oui, en fait, il y avait juste une chaîne à tirer. Je suis un énorme débile. Ramasser la photo, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah bah tiens, il y a un téléporteur qui est visiblement bloqué. Mais j'ai l'impression que quand ils sont bloqués, c'est juste que je les ai pas encore ouverts et que maintenant je peux me téléporter. Parfait, nickel. Et donc là, on revient au QG. Ça y est, je commence un petit peu à comprendre le Dell. Ok, niveau suivant. Alors ici, on a une jolie petite photo d'une batterie. Au total, il y a 2 batteries à trouver. Alors est-ce que j'ai pas un indice de où se trouverait l'autre batterie? Comme ça m'évite de devoir rewind. Et ici, il y a un câble. Ça doit. Oh, une photocopieuse! Oh, c'est génial! Ça veut dire que je peux photocopier ma batterie. J'aime beaucoup la façon dont il te présente les mécaniques. Genre, tu comprends quand même assez vite. Faut juste pas que je tombe. Uno, dos, ah! Juste pas que je tombe. Parfait. Challenge réussi. Alors j'ai été téléporté dans une autre pièce. Avec ici, j'ai l'impression. Bah c'est peut-être. Ah mais regardez. On dirait que ça a été fait exprès. Regardez. Mais c'est excellent. Vraiment, à chaque fois, ça m'impressionne. Pourtant, ça fait une heure que je joue. Hein. Ensuite, on arrive à un autre endroit. Et là, il y a l'air d'avoir une photo. Oh, on peut examiner. L'eau n'a pas besoin d'avoir d'odeur. Je n'arrêtais pas de penser à ça pendant que je regardais Iraya s'occuper de ses plantes aujourd'hui. Bon, ça fait encore partie du lore du truc, je suppose. Oh, un chat! Frérot, t'as des trous! C'est pas exactement ce que je suis censé faire. Est-ce que. Oh, le téléporteur se trouve là-bas. Le téléporteur se trouve là-bas. Comment est-ce que je pourrais y accéder en fait? Y a pas une photo? Ah si, y a une photocopieuse. C'est donc ça. Faut juste que si tu photocopies trop de fois la même chose, va y avoir un bug du turfu. Mais je sais pas si on va l'avoir. Ah, peut-être que j'aurais dû utiliser celui coloré pour mettre le téléporteur et pas celui. Attends, vous pensez que je peux faire le saut? Parcours! Yes. Je peux me téléporter? Oui! Je sais pas ce qui est le plus chelou entre le chat qui a des trous à l'intérieur ou le chat qui parle avec une voix de robot. And it's good to have you. Ok, donc là on est dans le premier emplacement, Araon, et on est en train de se diriger vers le deuxième. Bon les gars, si vous voulez un deuxième épisode sur ce jeu que je vais très probablement faire de toute façon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon, le chat qui parle avec une voix de robot vous souhaite la bise.